Recette du flan de courgette. Bonjour à tous, voilà, c'est l'été, c'est la pleine saison des courgettes. Et j'ai très envie de vous partager l'une de mes recettes, les flans de courgettes, avec des oignons, le tout rissolé à la poêle un petit peu avant. Un véritable régal et ça change de la ratatouille. Allez, je vous montre, c'est parti pour la recette. Les ingrédients sont listés sur le côté, le lait et les œufs me serviront pour faire l'appareil. À la poêle, je rissolerai mes oignons avec l'huile d'olive. Ensuite, le sel et le poivre pour assaisonner, ma courgette et mes pommes de terre et le beurre pour éviter que ça colle dans le moule. Je commence par émincer soigneusement mes oignons. Ensuite, j'ai préparé quelques lamelles de courgettes pour faire le contour de mes flans. Et puis, je vais venir enlever les pépins des restes de courgettes pour pas les gaspiller. Je vais les utiliser dans ma préparation avec les oignons rissolés à la poêle. Donc, je les émince. Et voilà, le tour est joué. J'ai ajouté des très fines lamelles de pommes de terre pour absorber l'eau de la courgette. Allez, on passe à la poêle. N'hésitez pas à utiliser de l'huile pour vos cuissons. Les huiles donnent du goût et de la texture aux aliments et puis les matières grasses sont absolument nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Il convient juste de bien les choisir selon leur utilisation tout simplement. Pensez à bien cuire la courgette car c'est un légume qui rend beaucoup d'eau. Pendant que mes légumes finissent de cuire, je vais préparer mon moule de 6 empreintes en plaçant les lamelles de courgette sur les pourtours. Je prépare également mon appareil œuf-lait. Et je viens préchauffer mon four à 200 degrés. Voilà, mes légumes sont prêts, je vais pouvoir remplir mes empreintes. Et hop, 20 minutes au four à 200 degrés.